Hello. Hello. What's up? English? Nous allons commenter aujourd'hui une vidéo de Kazoo Langage, une chaîne YouTube. Le lien du vidéo est dans la description. Entre Kazuma et une jeune fille française. Vous allez voir la jeune fille vers la fin du vidéo. Elle indique son appréciation de la discussion avec Kazuma et les mots qu'elle utilise sont parfaits, puisqu'ils résument très bien ce qui vient d'arriver. From Japan, where you from? I'm from Paris. I'm French. Ah, tu habites à Paris. C'est très bien, c'est très You speak very good French. Merci, merci. Ici, Kazuma débute son introduction en anglais, puis dès qu'il entend que la jeune fille est de Paris, il s'introduit en français. Je suis allé à Paris. Il y a 3 ans à peu près. Donc, mais en tant que triste. Kazuma ici il se trompe. Il dit qu'il est allé en tant que triste. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il est allé en tant que touriste. Mais ouais. Hey, mais that's good. C'est très cool. Quel arrondissement tu habites? Je suis dans le 9A. Neuf. C'est proche de quoi? Siak, Île-de-France. Ici, les arrondissements, c'est donc des sections de la ville de Paris, donc des quartiers. Ils ont tous des noms spécifiques. Et ici, la jeune fille habite au 9e arrondissement. Ah, Île-de-France. Ah, d'accord. C'est très cool. Très cool. Je connais. Et toi, t'étais où? T'étais à quel arrondissement? Ah, je suis allé à Montmartre, musée du Louvre, Tour Ok. Eiffel, ouais. Ici, la jeune fille demande à Kazuma dans quel arrondissement a-t-il habité lorsqu'il est venu en touriste. Je crois que Kazuma a mal compris puisqu'il a répondu Montmartre, le musée du Louvre et la Tour Eiffel. Donc lui, il a cité les endroits qu'il a visités au lieu de dire dans quel quartier, dans quel arrondissement il a habité lorsqu'il a visité Paris. Presque tous les endroits et populaires. Donc, Ok, ouais, historique, on va dire, entre guillemets. C'est très bien. Oh, ça m'a fait énormément plaisir de parler avec toi. Parce que Moi aussi. ton français, il est bien. Tu parles bien. Merci, merci. Tu parles d'autres langues? Je parle anglais, mais un peu comme ça. Comme Ah, ça. comment ça? Vraiment. Ah, d'accord. Et tu parles mieux que moi, d'ailleurs. Pas du Et tout, je pas du tout. Français Ouais. et je parle le lingala. Je parle le 3, bon, c'est peu. Tu parles quoi? 3, lingala. Lingala. Ouais, je parle 3 langues comme ça, c'est peu. Lingala, je le connais pas. C'est langue de où? Du Congo. Ah, du Congo. Sorcière. Ah, Ah d'accord. oui? Donc, tu es né du Congo. Petite correction ici pour Kazuma. Il a dit tu es né du Congo. Au lieu de dire tu es né au Congo. Et maintenant, tu as déménagé à Paris. Oui. Ah, d'accord, c'est très cool. Et là, je vais apprendre un peu le portugais parce que Portugais. je suis congolaise portugaise. Ah, d'accord. Ah, parle un peu de portugais. Ouais, je vais apprendre parce que ça fait longtemps, longtemps. Quand j'étais petite, je parlais, mais maintenant, j'ai tout oublié. Ah. Donc, je verrai. Muito bem, muito bem. Yeah. C'est très bien. Tu es très intelligent. Ici, Kazuma dit, tu es très intelligent. En fait, c'est juste le genre qu'il n'a pas utilisé comme il faut. Donc, ici, il faut dire, tu es très intelligente. Merci, toi aussi. Merci, merci. De rien. T'as quel âge? 22 ans. On dirait pas. Ouais. Et tu veux savoir, moi, j'ai combien? Peut-être 18 ans. Oui. Oh oui? Oh, d'accord, Ouais. d'accord. On y va. Ah, ça me fait peur, là. Ouais. Donc, maintenant, dans une école. Oui. Je suis encore au lycée, hein. Le lycée en France, c'est l'équivalent de l'école secondaire ou le high school en anglais. Ah, on le sait. Ah, d'accord.
Tu vas aller à l'université? Oui, je commence l'université, enfin, j'ai mon bac l'année prochaine. Donc, on va dire, je commence l'université dans 2 ans. À part le Japon, et tu as des dates, tu fais quel autre pays? En fait, j'ai vécu en Espagne. Ah, ok. Donc, ouais, pendant 6 mois après, donc, je suis allé d'autres pays comme Portugal, Italie. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Ouais, ouais, ouais. Un japonais qui parle parfaitement français. Pas du tout. Parfaitement. Je te jure, tu parles toi, tu parles trop bien, tu parles. Parce qu'on arrive à comprendre et tu comprends aussi. Elle-même indique que les deux arrivent à communiquer très bien un l'autre. Quasiment à un niveau quand même très très bon de français. Il y a des petites erreurs ici et là, mais c'est loin d'être un problème pour que la jeune fille comprenne tout ce qu'il veut discuter ou ses réponses ou ses questions. Donc, il faut plonger pour essayer. Mais ouais, en fait, j'ai oublié beaucoup parce que j'ai étudié il y a 2 ans après. Et après, j'ai oublié. Mais tu vas sur Omegle, tu trouves des Français comme ça et tu parles avec eux. Comme ça, tu t'entraînes un peu. C'est vrai, c'est vrai. Oh, merci. Oh, merci. Ciao. Ciao.